Ce rêve, encore ce rêve, ça faisait longtemps. Tu es garde-voir, c'est ça? Oui, garde-voir, j'ai tellement de questions à te poser. Pourquoi apparais-tu dans mes rêves? Ce sont les esprits qui m'envoient, je suis là pour veiller sur toi. Tel est mon rôle. Les esprits? Oui. J'ai été frappé par la malédiction du fenard à la place de quelqu'un. Et j'ai été privé de mon enveloppe charnelle. À la place de quelqu'un? Tu parles de l'être humain de la légende de fenard? C'est vraiment terrible que cette personne t'abandonne comme ça. Terrible? Peut-être. Certes, c'était pas quelqu'un de bien. Cette personne pouvait se montrer cruelle et manipulatrice, je le reconnais. Mais je n'éprouve aucune rancœur. Vraiment? Comment est-ce possible? Pour tout dire, je me pose la même question. Je ne comprends pas vraiment. Cette personne a fait de terribles choses, mais je n'arrive pas à lui en vouloir. C'est un être bizarre, mais était aussi capable de faire preuve de compassion. Et quand la tragédie a frappé, j'étais désespéré. La tragédie, tu veux dire la malédiction de Fenard? Oui, j'ai tâché de protéger cette personne de la malédiction comme je pouvais. Lorsque nos compagnons sont exposés au danger, nous, les garde-voir, les protégeons, même au péril de notre vie. J'ai protégé quelqu'un à qui je tenais. Cette seule pensée suffit à mon bonheur. Protéger quelqu'un quitte à y perdre la vie, c'est vraiment un sacrifice incroyable. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma forme actuelle n'est pas un fardeau. Je remplis avec fierté le rôle qui m'a été donné. Le rôle? Oui. Nous avons tous un but, un rôle à jouer. Et tout comme j'ai ma propre fonction à remplir, toi aussi tu as la tienne. Tu n'as pas atterri ici par hasard. Si tu es devenu un Pokémon, c'est pour mieux remplir ton rôle. Quoi? Comment ça? Ah! Un tremblement de terre! Non, attends, ne t'en va pas, j'ai tant de questions. Il y a eu un tremblement de terre, enfin je crois. J'ai l'impression que je faisais un rêve pendant que le sol tremblait. Je crois que je parlais avec garde-voir, c'était important. Ça y est, je me souviens. Tu n'as pas atterri ici par hasard, si tu es devenu un Pokémon, c'est pour mieux remplir ton rôle. Garde-voir sait pourquoi je suis un Pokémon. Elle a parlé d'un rôle. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Coucou Pluche! Eh ben, ça va pas? Ah, je sais, c'est la secousse de tout à l'heure, je parie. Ouais, je me fais du mouron aussi, j'aurais dû me douter que ça te chamboulerait. L'équipe de la Kazam n'est pas encore revenue. Et on dit que Groudon est super fort, alors ouais, c'est un peu inquiétant. Mais bon, c'est une équipe de costauds, ils vont s'en sortir. Faut leur faire confiance. On peut rien faire d'autre d'attendre qu'ils reviennent. D'ici là, on a de quoi s'occuper, on a des Pokémon à sauver en avant. Bon, bonjour. Ah, je suis ok, et voici Kulbetoke. Kulbetoke! On a laissé une annonce sur le tableau d'affichage de la poste Bekipan. Kulbetekipan! Et on aimerait que vous alliez la lire, cette annonce, s'il vous plaît. S'il vous plaît! On a vraiment besoin de votre aide. Bon, pardon, mais on doit s'en aller. Kulbut, allez! J'essaie de reproduire un peu sa voix de l'animé, mais... Ah, le goth, hein, Kulbutoke, hein. C'était quoi ce spectacle? Le petit Pokémon, c'était quoi dans son nom déjà? Ok? Si j'ai bien pigé, il veut qu'on aille voir le tableau d'affichage à la poste Bekipan. Je croyais qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont dû faire une annonce de sauvetage. Si on a avoir le cœur net, il faut qu'on aille à la poste Bekipan. Ok. Mais d'abord, Atlas, j'ai besoin de lui donner quelque chose. Alors, renforcer... Non. Toujours pas.
Friandise. Non. Voilà. Je chope petit à petit, hein. C'est vraiment important de ces Pokémon ici. Hein. Alors, grotte lapis, forêt givrée, broie. Ah bah tiens. Il y a une annonce qui dit « Punissez les méchants férosinges ». C'est la vôtre? Oui, c'est notre annonce. Quelle bête annonce! Oh putain. Un gang de méchants férosinges fait la loi dans notre forêt. Ils sont tous toqués. Quel bétoqué! Personne ne sait pourquoi ils sont si méchants. Mais ils attaquent tout le monde, ces vilains paltoqués. Quel bétoqué! Ah ouais, c'est embêtant. On va s'en occuper, pas vrai, Pluche? Merci, vous nous sauvez. Quel bétoqué! Allez, un nouveau donjon. Le bois broie. Alors que dit cette annonce d'ailleurs, du coup, parce que je l'ai passé vite fait là. Alors, broie. Les férocins sont méchants, ok, il faut les punir. Putain, mais t'imagines, toi tu mets une annonce. Eh ouais, ils sont méchants, ok. Bref. Bon. Est-ce que j'ai pas des merdes. Attends. Ah, il y a des nouveaux dialogues. Une demande d'un enfant de maternelle, non mais c'est ça. Ah, fils, on n'est pas bien là à regarder la mer. Si, papa. Papa, comment vous faites pour nager? Eh ben, fils, c'est une technique appelée natation synchronisée. Un petit plongeon. Deux petits plongeons. Trois petits plongeons. Et le grand saut. Eh ben, c'est en quelque sorte ainsi qu'on nage. Pour... qui est-ce que tu nous prends? Oh, d'accord, papa, vous êtes trop géniaux. Tellement naïf. J'adore. Qu'est-ce qu'on a été secoué? C'était horrible. Horrible, j'en tremble encore. Cette secousse, c'était quelque chose. Ça m'a tellement surpris que j'ai failli tomber dans l'étang. C'est un vilain tremblement de terre. Que se passera-t-il si ça se produit ici même sur la place Pokémon? Que se passe-t-il? L'équipe de la Kazami est revenue? Hein, je pense pas, je les ai pas vus sur la place Pokémon, ils doivent toujours être là-bas. Oh, ils sont les raqués, les petits, là. Ah, j'ai eu peur ce matin avec la secousse. Ça a tellement effrayé que j'ai craché des fils partout. Il a fallu tout nettoyer après. Quand j'ai senti le tremblement de terre, j'ai endurci tout mon corps. Je pouvais plus faire un pas, je tremblotais dans ma carapace. Quelle frayeur! Non, d'une boost, j'arrive pas à me calmer. Mes barbillons ne manquent pas. Ils arrivent à pressentir les secousses. Croyez-moi, ils sont pas au bout de nos peines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, d'ailleurs, il y a Makuhita, là aussi. Non, ok, on s'en fout. Retirer... Ah oui, j'en ai 7! Ok. Et ça se revend combien, cette merde? Mais, putain, mais... Mais c'est pas toi que je veux parler, hé! Ah oui, ça se revend bien en fait là. Ça se revend très très bien. Rien d'intéressant. Par contre, moi c'est surtout une CT pour Arco que j'aimerais. Hein.
bras coqueux. Ça fait des dégâts aux ennemis à proximité. Ah, c'est à proximité, ok. Et qui c'est qui apprend éclat? Ok, personne. Laser glace. Qui apprend laser glace? Ah, mais oh putain, il y a les descriptions en plus. Ouais. Ah, bah oui, plus j'apprends laser glace. Bah oui. C'est peut-être un truc qui lui manque en vrai. C'est une attaque vraiment à distance en fait. J'hésite presque à lui apprendre à la place de berceuse. Mais bon, je sais pas encore. Je verrai. Bon bah let's go hein. Ah voilà le bois brouhaha. Par contre j'ai oublié quelque chose. Désolé. Après est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser Astra maintenant? Je sais pas. Non je peux pas utiliser Astra. Bref. Le bois brouhaha. Donc et attendez. J'ai pas mes notes. J'ai oublié mes notes. Alors, je vais mettre... je vais laisser Scarino en vrai. Parce que Scarino, il va être utile. Non, ça, j'ai pas besoin d'enlever. J'ai sur des objets, déposés. Bref, c'est parti. Le bois brouhaha. Donc, le bois brouhaha, qui est du coup à la même musique que la grotte Lapis, on y trouve des Mimitos, des Ferro-Singes, Capuma, Grenipio, Pifeuille et Roselia. Et le niveau conseillé est le niveau 23. Donc ça va, c'est pas trop dur en vrai. Et c'est vraiment un petit donjon. Il est pas mort. Ok, t'es pas mort. C'est vraiment un petit donjon et... Il y aura peut-être une nouveauté à voir, on verra si on y sera. Bon voilà. Ok. Ah, on a les pics de fer. Donc les pics, c'est un peu comme les gravel roches, on peut les équiper comme un objet. Sauf qu'ici, ils vont pas suivre forcément la... le Pokémon adverse, mais ils vont forcément aller en ligne droite. Donc voilà. Ah bah tiens, j'en ai d'autres encore. Bon, je vous le laisse. Attends, c'est moi ou le niveau a l'air élevé, là? Allez, dégage, 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 dégage. Putain! Oh, un petit pifeuille. Pas mal, ça. Alors... Oh... Énorme gros doudou. C'est quoi, ça? Une doublette, on s'en fout. Je m'en fous. En vrai, je prends les pics, quand même. Encore une énorme gros doudou. Attends. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. C'est bon, j'ai eu les trois. Ah, je suis pas trop joué à Mega Donjon Mister, hein, je précise. Pause, s'il te plaît. Peut-être un jour je le ferai, je sais pas. Bon, vous pouvez me foutre la paix, là. Putain! Ah! Il y a un petit Mimitos dans l'équipe, c'est cool. Non. Pardon! Et c'est... Vous êtes dangereux, là, les gars. Oh. Un ruban doré, c'est bien, ça. Ah, j'aurais pu revenir en arrière et le revendre direct. Oh, un noir fang.
Par là. Y a, par contre, il y a pas mal d'ennemis, hein. Ah, féroce singe. Alors par contre, faut que je fasse gaffe parce que je reste de... Ok. Je reste quand même de type normal. Noir Fang de niveau 27. C'est pas mal, ça. Ah, déjà? Hé hey, attends. Hé hey, qu'est-ce que vous fichez là, vous? Hé hey, vous nous cherchez, vous allez nous trouver, là. Oh. Hé hey, faut pas nous chercher, quand on s'énerve, on casse tout. Et un truc qui nous met encore plus en roi, les tronches d'Ahuri. Ouais. Les tronches d'Ahuri. On est vénère, carrément vénère. On va faire passer un sale quart d'heure. Attends, mais quoi? Ok, en fait, dans Pokémon Donjon Mystère... Dans Pokémon Donjon Mystère original, le nombre d'étages est de 10. Ici, il a été raccourci. Très bien. Ok. Et... Ok, j'avais oublié ça, là. Putain, le Mimitos, là. Oh, là, ils ont tous des attaques psy, c'est génial, ça. Tu vois, avec le même mec qui essaie de calmer trois dinosaures. Non, je vois pas. Non, ça passe. Voilà, bon, c'est un boss assez facile en vrai. Oh, on a perdu. Bon, je m'attendais pas à un donjon aussi rapide à faire en fait. Ok. Et Noir Fang, c'est pas mal ça. On a vaincu le gang des féro-singes, comme promis. On leur a donné une bonne leçon, ils devraient se tenir à carreau. Merci, merci du fond du cœur. Que le but du cœur. Nous sommes très reconnaissants. Acceptez ceci en remerciement. Une châtaigne. Hein? Une châtaigne? Oui, une belle châtaigne tout épulchée. Car en fait, on est fauchés comme des blés. Que le bé! Tour les blés! On peut vous payer qu'en châtaigne, c'est pas trop grave, j'espère. Non, non, ça nous va. Après tout, c'est bon les châtaignes. On adore ça! J'aurais préféré des sous quand même. Eh, hey, vous là! Oh non, le gang des féro-singes, c'est la cata! Que le bé! Takata! Vous êtes venu vous venger? Ouais! Vous allez payer! Cette fois, on vous aura! On va vous mettre un gros paf dans votre pif! Ah, pas de quartier! Ah, mais attendez, regardez ça, les copains! Une châtaigne! Oh oui, une belle châtaigne bien épulchée! Oula! Ils font quoi? On dirait qu'ils discutent. Que t'y discutes. Discute. Ah bon, mais de quoi? Bon, écoutez, on accepte de pas vous taper. Mais en échange, votre châtaigne, là, on peut la voir. En fait, on adore les châtaignes. On les aime d'amour. Une vie sans châtaigne, c'est pas une vie. Bah, allez, on vous ramasse, on en retire, on vous retient pas. Non, mais les châtaignes, elles piquent avec leur bug. On se fait mal quand on veut les éplucher, ça nous énerve, grave. Donc voilà, vas-y là, donne-nous la châtaigne, on fera ce que vous voudrez.
Puche, qu'est-ce que t'en dis? On donne la châtaigne au camp des féroces singes? Bon, allez. Ok, j'ai une idée. Dis, les travaux manuels, ça vous parle? Les travaux manuels, genre jouer des points ou autre chose? Jouer des points, ça nous parle, travailler carrément moins. Mais si c'est pour une châtaigne, moi je dis ça se négocie. Bon, j'ai une proposition pour vous. On a une base, mais on aimerait qu'elle soit encore plus cool. Une base? Bah oui, une base. On est une équipe de secours. Aidez-nous à la retaper, on vous donnera la châtaigne. Ça vous tente? Allez, banco, on vous aide. Vraiment? Vous allez nous aider? Ouais, fais-nous confiance. Matos, Travon s'occupe de nous, on est super efficace. Mais en échange, il faudra fournir de la châtaigne. Moi aussi, je veux vous aider. Je peux faire de la soie pour coller des choses. Nous aussi, nous allons aider. Nous sommes au taquet. Kubi, taquet! En plus, on se sent mal de rien avoir eu d'autre qu'une châtaigne pour vous payer. Kulbu, tu perds! Merci tout le monde! Allez au boulot! Ouais, pour le monde des châtaignes! Et pour les châtaignes! Et ainsi, la petite équipe se mit au travail. Et la rénovation de la vase put commencer. Quelques jours plus tard. Ça alors, les travaux avancent très bien! Kulbu, très bien! C'est grâce à vous tout ça, merci, vous êtes trop sympa! Kulbu, sympa! Mais on n'est pas au bout de nos peines, le plus dur reste à faire! Kulbu, affaire! Bon. Ouais, mais on y est presque! Pas vrai, les féroces singes? Bah, ils sont où? Oh, ils sont là! Bah alors, qu'est-ce que vous avez? On a encore beaucoup de travail. Pas envie. Hein? C'est crevant comme taf, on a la râle à houppette. Ouais, bien dit, on fait grève. On veut plus de châtaignes. Vous êtes sérieux? Ouais, des châtaignes ou rien. Bon, plus, on a un souci. Les féroces singes bosseront que sur leur donne une châtaigne. Va falloir le retrouver, sinon on finira jamais la base. Putain, j'avoue, c'est les gilets jaunes. Ok. Coucou, plus, je pense à donner une châtaigne. Pour en trouver au brobois. Mais je crois qu'en plus, j'ai vu... En fait, je savais pas que c'était 3 étages au moment. Du coup, je pense qu'il y en avait une à l'étage 3, en vrai. Plus je sentais déclaration de Draco Feu à chaud. C'est ce que je pensais depuis le début. Déclaration de tyrannocide sur les lieux. Cette pièce d'ectoplasma ne va pas s'en tirer comme ça. Ouais. Merde. On s'en fout en fait. Ouais, tu veux quoi? Tu nous apportes une chapelle? T'en as pas? Blablabla, blablabla, ok. Bon, bah on y retourne. Hein. Oh, séisme! Séisme, déflagration, façade, oulala. Ah non, c'est Nidoran qui apprend les stockers, ok. Mimitos encore. Bah go, hein. J'aimerais bien Roselia, moi. C'est quoi? Ah non, c'est un Ratatak. Récup boost, augmente les effets des objets qui permettent de récupérer des PV ou de remplir l'estomac. Ok, sympa. Ça va les gars là? Ah, il y a une châtaigne! Putain de merde! Comment ça, Écosphère? Ouais, bon, on va chier en fait, hein. Ratatak, tant pis. Hein.
Oh putain, il y a deux châtaignes là. Let's go. Oh là, bon bah dommage pour Ratatak. Ok. Putain, je suis un peu deg là pour les... Je suis un peu deg pour le Ratatak, mais enfin bon, tant pis. Hein. Alors... 2 minutes. Hein. De nouvelles cases. Vous avez rapporté l'existence de cases autres que les cases miracles, comme les cases bachotage par exemple. KFC progresser plus vite si on marchait dessus. Les seuls brilleurs valent aussi la peine d'être foulés. D'après nos sources, ils indiqueraient l'emplacement d'un trésor enterré. Ah! On raconte qu'il existe des donjons extrêmement difficiles de par le monde. On y entre sans alliés, de niveau 5 et sans objet. Personne n'a jamais pu les terminer. On les considère non comme une épreuve de force, mais une épreuve, mais comme un test d'intelligence et de vivacité d'esprit. Ah ah! Intéressant. On veut une châtaigne! Oh mais ouais, t'en as! Allez, file-nous en une en échange au boss Radur! Allez! Je retire la bug, je sais pas comment plus elle fait, mais elle est trop forte. Ouais, une châtaigne! Allez les feignasses, au boulot, on a bu pas sur la planche, la grève c'est fini, on s'y remet! On va te rénover rapido ta base. Le matos, on gère. La construction, ce trio, on est super efficace. Grâce à une simple châtaigne, le gang des féro singes retrouve sa motivation. Et se remit à travailler d'arrache-pied. Grâce à eux, les travaux avancèrent à grands pas. On voit une châtaigne! Oh mais ouais, t'en as. Alors là, si je fais ne pas en donner. Quoi, tu veux pas nous la filer? Tu vas pas t'en tirer comme ça. À l'attaque, les gars. Le gang des féro singes passe à l'attaque. Malheureusement, pour les Pokémon port singes, les châtaignes qui reçurent ne furent pas celles escomptées. Ils se sont pris des châtaignes, mais au sens figuré, là. Aïe, 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 on s'est fait battre. C'est bon, tu l'auras, ta châtaigne, là. Grâce à une simple châtaigne... Ah, putain, il en faut encore une autre. Oh, faites chier. Ah, alors, peut-être... Ouais, pardon. L'attaque et l'attaque spéciale d'un Pokémon augmente quand celui-ci reçoit des dégâts après une capacité. Oh, bien! Attends. Parce que là, on va me gêner là si on fait ça. Mais foutez-moi la paix là! Non mais attends, il y en a... Putain, ils viennent les uns après les autres là, oh! Non. Voilà, la maison de monstres! Là, voilà! Une maison de monstres est une salle où vous attendent beaucoup d'ennemis en embuscade ainsi que de nombreux pièges. Gardez votre calme et n'hésitez pas à regagner le couloir si vous vous retrouvez en difficulté. Et voilà, il y a en gros, là vous pouvez le voir, hein, je vais examiner les environs. Il y a énormément de Pokémon à affronter. Mais moi j'ai un petit bizarre. Oh non, alors non, non, ça par contre c'est pas juste.
Tac. Allez, on reprend. Voilà. Et généralement, les maisons de monstres, c'est là aussi où il y a pas mal d'objets. Ah, il m'a... Ok, il m'a dégagé... bizarre, là, pour quelques tours. Bon, voilà, c'était les maisons de monstres. Mais bon, avec une capacité comme Blizzard, les maisons de monstres sont plutôt simples à faire. Hein. Mais s'il n'y a pas de capacité comme ça, ça rend le combat très dur, je trouve. Ok, j'ai une châtaigne. Bon, bah, c'est cool, au moins, parce que j'aurais montré ça... Vous en voulez encore là? Oh, puissance cachée, incroyable. Ouais, non, c'est bon, j'en ai assez. J'ai assez de Mimitos. Alors... Pense à... Oui, merci. Les capacités ont des portées variables, une capacité qui assiste dans toute la salle comme rugissement qui a lieu attaque aux ennemis à une portée de 2 cases dans un couloir. Mais si la visibilité n'est que d'une case, la possibilité de la capacité se retrouve réduite. Ça, je savais pas. De plus en plus, recherche des équipements pratiques. La jolie couleur rose de l'écharpe pêcha est particulièrement prisée. Osef. Oui, châtaigne. Ouais, fini la grève. La grève, c'est fini. Heureux d'avoir reçu une châtaigne, le gang des férocinges retrouve sa motivation et se remit à travailler d'arrache-pied. Et finalement, la base fut enfin terminée. Oh, cette base Skitty! Alors, du coup, pour la petite explication, et là, je ferai certainement un montage pour YouTube, hein, donc voilà. Il y a une base pour chaque starter. Donc, il y avait une quinzaine de starters, je crois, sur Pokémon Donjon Mystère DX, et il y en a une personnalisée à chaque fois. Là, pendant que je vous parle, évidemment, je vous mettrai un peu en montage les différents... les différentes bases qu'on peut avoir, tout simplement. Voilà. Enfin, ça y est. Plush, notre base, elle est enfin finie. Ouah, trop beau. Je trouve qu'elle est super classe. Et en plus, on dirait ta tête, Plush, t'as vu? Ouais. Une base à la hauteur de Lego de Plush. On s'est bien appliqué. C'était dur, mais le résultat était de toute beauté. Que le but, toute beauté. Les amis, merci. On aurait une question. Si la rénovation de la base est terminée, hein, du coup, ça veut dire que on n'aura plus de châtaigne. Et ouais. Ah, c'est fini. Allez, retournez à Pôle emploi. En tout cas, merci les férocinges et bon vent. Qu'est-ce qu'ils ont? Hey, mais stop! Vous faites quoi? Stop! Tout le monde se jeta alors sur les férocinges pour les neutraliser. La base fut sauvée.
Les féroces singes promirent d'arrêter de tout saccager. Ils sont retournés dans leur bois après avoir obtenu quelques châtaignes. Ainsi termina la rénovation de la base. Non mais c'est ça, c'est un CDD non renouvelable. Après bien des péripéties,